Alors, bonsoir et bienvenue au Slide Racing Challenge pour le round numéro 13 en direct de Road Atlanta. Ici Sly Bernier qui vous parle en compagnie de Kevin de Montigny. Ça va bien, Kev? À bientôt. Super. Alors, petite description vite vite de la track ce soir, Kevin. Qu'est-ce qui nous attend en fait de température puis de piste là? On est à Braselton aux États-Unis, Road Atlanta. Il y a 12 courbes. La météo, partiellement nuagée, 72 degrés Fahrenheit. La track est à 80 Fahrenheit. Il y a un vent du sud-est de 5 000 à l'heure. L'humidité relative est de 60%. Excellent. Merci beaucoup. En fait, c'est un peu une track sinueuse, up and down, et avec quelques blind curves qu'on pourrait dire, c'est-à-dire des curves qu'on arrive en haut du top hill, puis ça tourne, fait que faut être très alerte, là. Rapidement, je peux vous montrer la grille de départ, là. On a Boullian, Thériault, Léger, Bouchard, Demers, Frédéric J, Sly Bernier, Peter Pelliac, Pierre-Paul Melançon, Stéphane Lavallée, Chris Champagne, Patrick Charrette, Jean-Philippe Simard, Steve Boulanger, Mike Belair, Kevin de Montigny. Mike Belair, Kevin de Montigny, les deux, d'après moi, ont manqué carrément leur qualif parce que c'est des gars beaucoup plus rapides que ça normalement. Philippe Gervais-Rozon, Pierre Lajoie, David Boucher et Jacques Auger, Daniel Demers, Dan Robert et Claude Leclerc en 23e position qui démarrera. Alors, on va faire un petit tour rapide des gars sur la grille avec leur voiture. Oups, pardon. Mauvais piton. Je cherche ma souris. Allez. Alors, on va s'en aller. François Boullian, première position, je vous ai dit, c'est pour vous présenter les voitures. Ensuite, on va avoir. Voilà. On a Daniel Thériault, deuxième. Martin Léger, troisième. Robert Bouchard, quatrième. François Demers, cinquième. Frédéric J. Facile à reconnaître assez, là, Frédéric, sa peinture est spéciale. Fred G en 6e, Sly Bernier 7e, Peter Pilliac 8e, Pierre-Paul Menention 9, Stéphane Lavallée 10e, Chris Champagne 11, Patrick Charrette 12. Oh, Patrick Charrette 12e, un autre là, qui a manqué sa qualif, c'est clair, là, parce que 12e place, c'est loin pour lui, là. Philippe Simard 13, Steve Boulanger 14, Mike 15, Kevin de Montigny 16, Philippe Gervais-Rozon 17, Pierre Lajoie 18, David Boucher 19, avec Jacques Auger 20e, Daniel Demers 21, Dan Robert 22, les deux peintures GoPro, une à côté de l'autre, Claude Robillard 23. Claude, pardon, Leclerc, pardon, 23e. Alors, c'est pas mal ça. On va se préparer pour le départ de la course. Caméra 1. Caméra 1. Oh, c'est exciting. Alors, Kevin, prête pour la course? Oui. Excellent, c'est parti. Les moteurs révolutionnent, ça sera un départ dans quelques secondes. Et c'est parti, les amis. Un petit peu en retard, désolé, je m'aurais dû dire avant. Et voilà, déjà dans la première curve, ta date, tout va bien, tout le monde est là. 23 pilotes qui prennent le départ. C'est quand même intéressant, c'est un petit Sly Racing Challenge. Quand on passe le 20 pilotes, cette saison passée, c'est quand même cool. Sly Bernier qui a eu un bon départ, a déjà pris deux positions et rendu 5e. Plutôt clean, je te dirais. Ça va bien, ça va bien. Oh, Martin Léger, je disais ça allait Ouais. bien, mais Martin Léger qui a quitté la piste d'un seul coup, qui a frappé le mur, c'est fini pour lui, je pense. Ça a l'air d'avoir frappé solide, là. Je les prends en note pour on ira voir ce qui est arrivé à la fin. Merci.
Pour le moment, c'est pas mal à la file indienne. L'ancien Frédéric J qui a une petite bagarre en arrière. Sly Bernier qui est à la poursuite de Merce. Lavallée aussi qui met de la pression sur. pardon. Lavallée qui met de la pression sur. Écoute, je sais pas, je pense que c'est Frédéric J, oui. Ouais, Lavallée met de la pression sur Frédéric J. Sa peinture est facile à reconnaître. J'ai eu un... Oh, Patrick Charette qui a pas mal un slowdown. Là. Il se fait dépasser par 3-4 pilotes d'un seul coup. Kevin de Montigny qui met énormément de pression sur Belair et qui va prendre l'intérieur. On va aller voir ça de plus près. Philippe Gervais-Roson sur Monsieur Boucher. Et ça s'est touché là. Une petite touchette entre Boucher et. Gervais-Roson, puis c'est malheureux. Je pense que les deux ont fait un contact sur le mur. Il y a Kevin de Montigny aussi qui est mêlé là-dedans. Non, c'est pas Kevin, ça c'est. Pierre Lajouette. Philippe Gervais qui arrive sur le côté. Probablement qu'il y a des ennuis mécaniques avec l'auto. Il rentre trop vite. Ouais. On va aller voir. On va aller voir devant. Frédéric J sur Pierre-Paul Melançon. Les talons de Pierre-Paul là, à 1.8, 1.5 secondes maintenant. Probablement qu'il, oui, voilà, qu'il tente le dépassement avant la ligne, avant la fin de la ligne droite, c'est sûr. Il y avait beaucoup d'aspiration. Et c'est fait, il vient de passer devant M. Melançon. Mike Belair qui fait bien pareil sur Bouchard à l'arrière. Oh, Melançon qui a quasiment fait un contact avec Fred J. Qui va peut-être être profitable Jean-Philippe Simard là sur la vallée. Ouais, ça c'est fait. C'est fait Simard sur la vallée. Mike Belair sur Simard à son tour. Et non, il y a, il y a une petite glissade de Belair là, qui a vu un petit peu. Il a perdu la vitesse. On voit Bouchard qui remonte. Pas Bouchard, mais Boulanger qui remonte. À sa gauche, qui vient de justement prendre le banc. Kevin de Montigny à son tour. Il vient mettre de pression sur Belair. Va prendre l'intérieur. Non, il reste derrière. Patrick Charette qui s'en vient aussi. Oh non, de Montigny qui l'a échappé dans le mur. La même ouais. façon que. Philippe Gervais-Roson. Ah Léger, oui. Martin Léger. C'est quasiment un copie-coller, je vous dirais. Oh, Auger qui sort large, là. Demers qui passe proche d'avoir un accident avec lui, là. Il devait avoir une flaque d'huile. Ouais, peut-être. Là, un petit peu brouillon, là, 4 de large, à un moment donné. Là. Ça, ça inclut Jacques Auger, Demers, Chris Champagne, Claude Leclerc et. Dan. Ouais. Alors là, l'autre, c'est. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Danny Robert. Dan Robert. Melançon, Fred J, une bagarre en avant, qui est les deux Lavallée et Melançon qui viennent de passer dans Fred J. Fred J s'en laisse pas imposer. Oh, Simard qui tente à son tour. Et ouais, c'est fait. Simard vient de prendre la position. Fred J vient de perdre 3 positions. Probablement un slowdown de sa part lui aussi. Il y a deux voitures qui boucanent là, au pit. Là, où t'as vu quelque chose, un bon accident. Là. C'est probablement les deux accidents qu'on a vus tantôt. Sly Bernier qui est troisième présentement. Là, derrière Donald Thériault et François Boudian, on a Demers et Pelliac en bagarre. Pelliac qui va prendre l'intérieur à Demers et c'est réussi. Pelliac vient de prendre sa position. Demers sort large dans le gazon. Ouh, ça peut être chier. C'est bien. Oh, Robert Bouchard a donné un coup de roue. Ouais, c'est ça. Ça en est sauvé, mais Demers qui a bien récupéré. Là.
Sly à la poursuite de Bullion et Donaterio. Sly qui a l'air très, très à l'aise sur cette piste-là. Aujourd'hui, troisième place et creuse un écart entre les compétiteurs derrière lui. Là. Quand même surprenant. Oh, touchette le gazon, c'est parti. Sly, c'est fini. C'est fini. Oh non! Oh, il ramène. Oh, récupération encore deux fois de suite. Belle manœuvre, belle manœuvre. Bel job là-dessus, on peut pas y enlever ça. Fait pas rien que la marde, fait des bons coups. Ah ouais. On revient avec la vallée, toujours en bagarre avec Frédéric J et Jean-Philippe Simard. Ces trois-là s'échangent de position là, à tour de rôle. Simard qui vient de faire pas. Oh, le Melançon qui l'échappe devant eux. J'espère que ça se fera pas. La vallée qui s'en tire bien, tout le monde, merveilleux. Frédéric J qui a malheureusement dû aller dans le gazon, mais s'en sort quand même bien. Là. Puis il revient sur piste juste au bon endroit. Charrette avec Mike Belair derrière. Charrette qui met de la pression. On va suivre ça de plus près. Oh non! Sly Bernier qu'on voit qui revient sur la piste. Puis. La voiture est très amochée. Quelque chose peut-être à aller voir si tu veux te prendre en note. Là. Ouais. Il a bien fait là, 2 secondes, mais là, il a moins bien réussi le reste après. Patrick Charrette à la poursuite de M. Belair. La vallée qui se bat contre. Kevin de Montigny. Et c'est Charrette et Belair côte à côte. De Montigny qui laisse place à la vallée, tout comme Mike laisse place à Patrick Charrette. Ouais, mais je pense que de Montigny est un lapper. Ah, peut-être pour ça, ok. Il y a eu un accident tantôt. Je voyais que l'intervalle était loin, je comprenais pas, je viens de comprendre. Et Mike qui met de la pression sur Charrette, là, qui est à côté sur son pare-choc quasiment. Là. Pardon. Ça y est, il prend l'intérieur. Patrick devra se battre pour remonter le peloton. Ce qui est quand même assez rare étant donné ses bonnes qualifs. D'habitude, il part en avant et il se bat pour garder sa position. Mais là, pour remonter le peloton de même, c'est pas toujours évident. Ça se lâche pas, ça se lâche pas. Frédéric J qui s'en mêle. Patrick Charrette démontre un petit peu d'impatience vis-à-vis Mike Belair. Là. Il se pointe le nez souvent à l'intérieur en intimidation. Qui remonte à son côté droit, mais c'est pas vraiment son avantage. Je sais pas s'il va avoir assez de puissance pour passer devant parce que Malik, oui, sont en aspiration. Ouf, il est revenu sur Mike d'un seul coup. Drôle de conduite un petit peu. Je sais pas s'il cherche à intimider ou quoi que ce soit, mais on l'avait vraiment vu donner un coup de roue. En side by side, très bien exécuté des deux conducteurs. Mais là c'est fait. Je pense qu'il est parti. On va voir ce qui se passe avec Steve Boulanger. Ah, on va dire Steve Boulanger, mais il est droit derrière. C'est eux qu'on voit là en bagarre avec Mike. Fred J. Qui va maintenant voler l'intérieur à Mike. C'était de justesse un petit peu. J a gardé le contrôle, là, mais on a pu voir l'auto qui glissait beaucoup. Ça aurait pu être dangereux. Pas évident de dépasser ce truc-là. Sly Bernier stationné sur le côté. C'est pas mal fini pour lui. Donald Thériault. On va voir ce qui se passe avec Donald. Oh, Donald Thériault qui est rendu en 7e place.
Pardon. Probablement qu'il est arrivé une bévue à l'avant qu'on n'ait pas vue, là, parce que... Je vais le prendre en note. Ouais. Pourquoi il est arrivé septième, qui est tombé septième place, je la comprends pas. Il était en avance avec Bouliane, puis c'était assez dominant son affaire. On a Fred J. Mike derrière qui se bat encore en side by side. Bagarre entre Mike, Fred J et Boulanger là, qui ne se calme pas. Là. Les trois sont en bagarre sans arrêt, tour après tour. Mais on a Patrick Charrette qui est remonté, qui est rendu à Donald. Là. Et qui met énormément de pression sur Donald aussi. Donald qui semble le laisser passer, oui. Kevin, même chose. Ouais, mais Kevin est là à peur. Ben, ce que je veux dire, moi, sur Kevin, il est lapper, mais il suit quand même les autres devant. Je pense pas qu'il y a rien de pas correct là-dedans. Il manque pas de vitesse du tout, puis on voit qu'il suit le rythme. Là. Il tente pas de dépassement. C'est ce qu'on demande aux gars qui sont lapper, de pas tenter de dépassement. Puis de pas suivre l'autre d'à côté dans le bumper pour pas mettre de la pression pour rien. Mais on peut voir qu'on peut regarder la distance. Là. Il doit avoir une seconde entre les gars, là, même une demi-seconde. Là. Donc, je pense que... C'est bien correct, y'a pas de trouble là. C'est la façon de faire. Parce que ça m'est déjà arrivé personnellement dans des courses de me faire mettre de la pression par un lapper qui voulait me dépasser. Puis ça sort de notre zone de confort, ça nous fait déraper, c'est plate quand c'est un lapper. Mais par contre, ça y donne une chance si l'autre plante de reprendre sa place. C'est sûr, mais faudrait que fasse ça à tous les gars. Pardon, à tous les gars. Non, regarde, on peut voir, là, je suis encore avec Lavallée, Lavallée, Charrette, Thériault et Simard, là, puis on peut, Kevin suit derrière Penard. Risque rien, puis il finit sa course, là. Lapper, c'est un peu comme du multiclasse, mais encore plus passif. Encore plus mollo, genre. Parce que le multiclass, c'est comme on va en avoir dans Sly Racing Challenge, Cadillac contre le Mazda, on entre dans une série de curves en Mazda, puis il y a Cadillac derrière nous, on peut pas stationner l'auto sur le côté et laisser passer. On... Non, on fait nos curves, puis après on le laisse passer, quand on a une chance. Exact, tandis que quand t'es lapper, plus souvent on va voir les gars prendre l'extérieur, puis vraiment ralentir pour laisser les autres passer, parce qu'ils ont plus rien à gagner. Tandis que dans le multiclasse, les Mazda, même s'ils sont moins rapides, ont quand même une course à faire. Et on a Charrette qui dépasse sur Simard, là, je voulais juste mentionner pendant qu'on parle de ça, mais je pense que c'est fait assez facilement. Simard qui tente de croiser, mais non, ça se fera pas. Là. Et reste plus que la vallée, là, de part de Charrette. Oh, déjà! Oui, c'est fait. Charrette qui s'essaye aussitôt sur la vallée. Ouais, prend l'intérieur. Semble très bien réussi aussi. Pardon. Là, ils vont être dans son aspiration à côté. Oh, la vallée qui a tenté de voler l'intérieur. Une vraie bagarre aussi. Là. Non, c'est ça, pour revenir au Cadillac, on a eu une pratique dans la ligue de Cadet contre les Mazda, puis ça a été ça un petit peu au début, l'ajustement. Dépassement des voitures. Ouais, des voitures plus rapides tentaient de dépasser avant les courbes, en arrivant aux courbes, ce qui était une erreur. Puis les Mazda, de leur part, eux, étaient portés à changer de ligne pour laisser passer, qui était aussi une erreur, parce que là, en changeant de ligne, ça ruinait toute la trajectoire que... Le Cadillac avait pensé prendre, fait que ça causait beaucoup de problèmes. Fait que la façon la plus simple, on garde notre ligne, on fait notre course, puis quand on va tomber sur la ligne droite, ils ont la puissance, il n'y aura pas de problème. En sortant de curve, ils vont passer, puis ça va être réglé.
C'est sûr que si on voit trois Cadillacs arriver derrière, on laisse passer les trois, on se met pas en deux pour ruiner la course du troisième, mais Non, c'est sûr. c'est une question de logique, je pense que ça va être le fun, les gars vont s'habituer. La vallée est si mort derrière qui se chicane une position. Et Thériault qui fait de même. Cherche à prendre l'intérieur et non, qui se ravise. Thériault qui est quand même mauvais. Kevin Montigny qui s'est rapproché, tu vois. Je pense qu'il est abîmé dans ouais, l'intérieur. Il y a quelque chose parce qu'il manque de puissance. Kevin s'est rapproché, Thériault l'a laissé passer. Ben, c'est pas Kevin qui poussait pour passer, c'était quand on le voyait bien. Mais... Patrick Charette qui a pris une avance considérable sur les deux Simard et la vallée. Toi, tu disais Kevin suit le rip, là, c'est sans aucun problème. Hein? Ouais. Demers et une bagarre en avant. Pelliac, Bouchard et François Demers. Demers, justement, qui tente un dépassement. Je pense que Bouchard s'en a fait pareil, mais a été devancé par Demers là-dessus. Qui donne la chance à Pelliac de se sauver un petit peu. Alors, c'est une bagarre pour la deuxième position. Demers qui retente le dépassement sur Pelliac. Ça semble bien réussi. Pelliac qui refuse de céder. Mais ça pourrait être dangereux ici. Voyons voir. Non. Très bien exécuté des deux conducteurs. Travail fait de François Demers. Bouchard qui a perdu un peu de terrain. Probablement qu'avec l'aspiration, ça va se régler sa ligne droite. Et voilà, Pelliac qui va probablement réattaquer. C'est fait. Demers qui prend une ligne défensive, là, qui garde l'intérieur. Mais je pense que ça sera pas assez. Pelliac semble avoir un plus de vitesse. À moins que Demers retarderait son freinage. Non, il décide de prendre la position derrière Pelliac. C'est assez relax. Oui. Pour Boulian, qu'on peut voir qui est 9 secondes et demie en avant de ses compétiteurs. Lui, il se contente de faire des tours de pratique. Là. Oh, il est arrivé quelque chose, Patrick Charette, là, parce que, il est revenu avec Simon Lavallée et Donald Thériault, qui se font rattraper en plus par Jay et Mike. Là. Il semble y avoir une bagarre épique derrière. La ligne droite serait-elle suffisante pour Simon à
aller attaquer Patrick Charrette. Charrette semble prendre une ligne défensive, reste à l'intérieur, au milieu. Non, il va à l'extérieur. Il est confiant. Mais c'est ce que je pensais en donnant à l'intérieur. Là. Oh non, c'est mort. Non, il s'est révisé. Oh, petit croisé qui va être dangereux. Et c'est Simon qui... Non! Je pensais qu'il avait la puissance pour passer, mais il a manqué un petit peu de vitesse. Pardon? La valeur a pris la place à Simon. Ouais. On a profité. On va voir cette respiration. Là, si la Vallée et Simon travaillent en équipe, là, puis ils se dépassent pas à tout bout de champ, ils vont être capables d'aller chercher assez de vitesse pour aller chercher Patrick Charrette. La longue ligne droite là, mais non, d'après moi, impossible. Pat en train de recreuser son avance là. Les gars ont eu leur chance, mais je pense que c'est pas mal fini. Bouchard et Demers en deuxième et troisième. Mais maintenant Bouchard deuxième, Demers troisième, Pelliac quatrième. Encore une bagarre dans ces trois-là. Mais Bouchard qui se creuse une petite avance. Tellement dur de prendre l'avance dans cette piste-là parce qu'il y a des lignes droites qui nous font mal. Là. Ouais, avec l'aspiration. Ouais, c'est fou. Je pense pas, les gars sont tous loin, il se passera peut-être pas rien cette ligne droite-là. On va aller voir. Mike Beller qui a rattrapé le troupeau. Il est à l'attaque de Bon Matériau et Stéphane Lavallée. C'est ça, je pense que la Vallée Simon, ça se bat un petit peu, puis peut-être que justement, ça ralentit le rythme des gars. Fait que ça donne une chance à Mike de remonter un petit peu, là, justement. Toujours le fun de se battre, mais c'est sûr que on perd de vitesse quand on se bat. Encore en side-by-side, Simon et la Vallée qui s'en donnent à cœur joie. Mike qui a passé devant la télé. À Stéphane Lavallée. On avait une petite bagarre à 5. Là. Mais sur la ligne droite, il va arriver quelque chose, c'est sûr et certain. À 3 collés comme ça, là, 3 à l'intérieur de 500, ça, 0.5 secondes, là, ça va. C'est sûr qu'il va y avoir une tentative de dépassement de quelque part.
large. Simard protège l'intérieur. Va-t-il être capable de garder assez de vitesse pour. Ouh, semblerait que non. Il se range derrière la vallée. Sur Demers. Oh, Demers qui est sorti large un petit peu de gazon, là. Ça pourrait. Qu'il y a de la pression ici. Ouf! Elle doit être brassée dans la voiture parce que ça a cogné. La suspension, je parle, là, il n'y a pas eu d'accident. Pelliac qui se présente à l'intérieur, va-t-il réussir? Juste un petit peu impatient, il aurait pu attendre la ligne droite pour dépasser, ça aurait pas ralenti personne, puis il aurait passé pareil. Là. Comme il fait présentement. Bouchard prend l'intérieur du même. En même temps que Pelliac, il essaie de profiter de l'aspiration pour passer devant de Merce à lui-ci. Deux d'un seul coup, se ferait-il possible? Je suis pas certain que ça va marcher. Deux non, Robert se met derrière François. Quatorze secondes, Bouliane sur ses rivaux. Là. Une domination totale de François Bouliane. Don Robert est arrêté au plus. Oh, on a une bagarre là, on y en a trois de large. Donald Thériault, Stéphane Lavallée, Mike Belair. Mike, il pousse. Ouais, j'ai entendu le contact. Hein? Ah ouais, absolument, il a poussé, il pousse Stéphane Lavallée là. Il fait sentir sa présence à 100% maintenant. Oh, Mike qui était proche de l'intérieur, ça aurait pu être dangereux pour un dérapage, mais non, tout va bien. Frédéric J qui les a rattrapés aussi. Là. Kevin de Montigny toujours là. C'est dommage pour lui là, l'accident du départ parce qu'on voit qu'il a le rythme sans problème. Il suit le troupeau sans aucun problème. C'est pas n'importe qui suit, là. C'est quand même Mike Belair, Fred J, Lavallée, Simard, Thériault. C'est tous des gars qui sont très rapides. Là. Le dernier tour. Sly Bernier qui est abîmé, qui roule encore. Il tente de finir sa course. Il fait bien. C'est ça la course. Hein? Mike Belair qui met tellement de pression sur la vallée. Là. Encore sort plus vite un petit peu. Là. Jean-Philippe Simard, fait que je voulais juste voir avec Mike Belair.
Overland un peu plus simple un petit peu sur la droite. Sly Bernier qui laisse Jean-Philippe Simon passer naturellement. Et qui reste, il reste à l'extérieur pour laisser passer tout le monde. Là. Voilà justement ce que un lapper doit faire. On en a l'exemple direct. Pas un multi-class, un lapper. En fait, on n'a pas grand bagarre. Là. La bagarre la plus chaude, c'est Mike Belair sur Stéphane Dorelé. Le reste, on va aller voir Demers et Bouchard qui suivent Pelliac, mais tous les gars sont quand même à une petite distance entre eux. Là. Bon, 40 secondes avant de je suis pas certain, mais je crois que ceci est l'avant-dernier tour. Et le prochain sera le dernier. Je pense qu'on est sur le drapeau blanc. Est-ce que c'est possible pour toi de confirmer, Kevin? Non! Merci. Moi, je vois pas le résultat. Je peux capable pas de voir le nombre de tours que les pilotes ont fait. Ou... Non, c'est ça, je le vois pas. Mais un instant. Je te dis ça, ce sera pas long. 22 tours pour mettons Boudliane, fait que ce serait il est sur 21, il en reste un autre à faire. C'est ça, c'est ce qu'on pensait au fond, c'est le tour sous le drapeau blanc présentement. Non, quand il arrive, non, il en fait un dernier. C'est ça, quand il arrive, c'est ça, on va être sur le drapeau blanc. Ça, c'est le tour avant le drapeau blanc. C'est ça. Yann est à 16 secondes en avance sur les autres. Et ce tour-là qu'on regarde présentement, c'est son tour le plus rapide. Ok. Non, moi j'ai changé, je suis pas sur Boulian, je suis sur Mike Bellard de Materia. Bon ben, Boulian vient de commencer son dernier tour. Parfait. Tiens-nous au courant quand tu vas voir qu'il arrive pas loin de la fin, je vais aller voir. Belair avec Simard. Hey, attends un petit peu, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais Simard est arrivé quelque chose parce que là, la volée est rendue devant. Belair est en train d'y mettre la pression pour essayer de passer devant. Fait que la volée réussit à passer Jean-Philippe. Pardon. Ça serait qui aurait perdu du terrain là? Ça serait Simard qui aurait perdu du terrain. Parce qu'il y avait, je te dirais, une seconde et demie, deux secondes devant la volée. Et je l'ai noté. Mais là, la vallée, il n'y a pas ça devant. On est Bouliane qui arrive à l'arrivée. Ouais, Bouliane qui est dans dernier cours. Et fait. Et voilà, Bouliane qui a. Passé l'arrivée au Philippe Germain. On arrive avec la deuxième place. Demers
Et Bouchard et Péliac qui n'est plus là non plus. Fait que Péliac est arrivé quelque chose. Donald Bouchard, deuxième, troisième. Piliac qui s'en vient. Oh, il y a le devant Ah, Mangané. devant Magané, c'est ça. Au moins, il garde sa quatrième place. Patrick Charrette, cinquième place, qui a réussi à remonter À remonter, ouais. le troupeau. C'est beau, Petrick. Et maintenant, Lavallée, sixième, Mort et la bagarre jusqu'à la fin. Lavallée, 7. Bouchard, Mike Belair, Donald Thériault et Frédéric G. Un beau finish à ces gars-là. Kevin de Montigny, 15e place. Sly Bernier, 19e. Melançon 11. Ah, Melançon 11. Pierre Lajoie 17. Trish Champagne qui s'en vient 12. En 12e position. Jacques Auger 13. Et tout. Ouais, c'est tout. Les autres sont tous rentrés au pit. Bon, ben, c'était une belle course, mais les bagarres, ça s'est pas mal situé pas mal tout le temps avec les mêmes gars, mais quand même, c'était une belle course, intéressant à regarder. Si on regarde le résultat rapidement, on a François Boullian en première place, François Demers en deuxième, Bouchard troisième, Pélliac quatrième, Charrette, Stéphane Lavallée, Jean-Philippe Simard, Mike Belair, Donald Thériault et Frédéric G. Ça, c'est pour notre top 10. Suivi de Pierre-Paul Melançon 11, Chris Champagne 12. Chris Champagne 12, c'est quand même pas si mal, je crois. Ben, c'est à peu près c'est ça normal. C'est normal, oui, c'est ça. Là. Quand il y a une bonne course, là, il est entre la 8 et la 12. Ok. Sinon, il se tient vers le 15e. Ben, non, il est à peu près dans ses normes. Ok. Parce que je sais qu'au classement, il est proche de moi. Fait que Ok. c'est pas mal dans ses habitudes. Là. Parfait. Merci de l'information. Jacques Ben, Auger, 13e. Steve Boulanger, 14e. Kevin de Montigny, 15. Philippe Gervais-Rozon, 16. Pierre Lajoie, 17. Dan Robert, 18. Sly, 19. David Boucher, 20. 20e et 16 tours, ça veut dire qu'il a quitté, c'est sûr. Daniel Demers, 21, qui a quitté. Claude Leclerc a quitté. Martin Léger a quitté. Tout le monde avait quitté. Donc, c'est ça qui est ça. On va aller. On va aller. Maintenant, à la recherche d'accidents. Martin Léger. Parti, moi. Je peux vous les donner, monsieur. Tu veux partir de la première ou de Ouais. la dernière? Martin Léger au tour numéro 1. Ouais, Martin Léger au tour numéro 1. On va le suivre. Je pourrais pas te dire là, si c'est au début ou à la fin. Un petit peu trop sur le vibreur. Il est juste monté un petit peu. Oh, pas d'ail. C'est vrai, j'avais oublié. Quand on recule, ça fait crasher l'overlay. Mais c'est pas grave, on n'en a pas de besoin. Juste le voir là. Même pas. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas monté ce vibreur à rien. Je vais essayer de changer de caméra un petit peu. On va utiliser une autre façon. Tain, le gyro. Passe ce vibreur. Non, il passe pas ce vibreur à rien. Il fait juste l'échapper carrément. Comme je t'ai dit, il devait avoir une flaque d'huile à cette place-là. Ça se peut, ça. On va mettre le son d'un coup qu'on entendrait. Ah, un mauvais shift, je pense. Je pense qu'il a voulu shifter en 4 puis qu'il a dans le shifter en 2. Et... Parce que ça a fait un mauvais son. C'est correct, ça arrive à n'importe qui. Maintenant, le prochain. Fly au numéro 5. Sly. Au tour numéro 5. Pardon, ça va revenir, voilà. Bon.
jusqu'à présent. Je pense que c'est ici que ça s'est passé. Ouais, c'est ça. Il a sorti un petit peu trop vite, pogné le sable, puis il a carrément juste essayé de pousser peut-être un petit peu trop fort, je sais pas. Mais c'est comme ça. Ensuite, Ouais. Donald, tour numéro 7. Donald Terrio. C'est au tour numéro 7, ça? C'est ça. T'es-tu sûr si c'est. Loin ou. Je ne sais pas. Je sais pas. Le tour numéro 7 est déjà derrière lui. Ah, ben, au numéro 6. On va aller voir. Ça, c'est deuxième. On va aller voir ça. Oh, c'est ici. Je viens de le voir. C'est direct la première courbe, en fait. Première courbe après la ligne d'arrivée. Il a juste échappé comme faut. Mais rien de grave. Rien de grave pourtant. Je sais pas pourquoi il y avait de la difficulté à passer les autres après parce que. Il a pas accroché rien, il a juste fait un bon dérapage. Ok. Next. Next, ben c'est le dernier, c'est Jean-Philippe Simard, tour numéro 22, là. Tu sais, il était loin, puis il s'est rapproché. Les autres se sont rapprochés, il est arrivé quelque chose. Simard. Tour numéro 22, ça serait. Peut-être ici. Non. Ouais. Je pense que c'est là. Ça, c'est son tour rapide. Mais je comprends pas. On va voir. J'ai rien de particulier. C'est peut-être juste les autres qui suivent en respiration qui fait qu'ils vont le rattraper assez vite fait. La joie qui fait aussi la bonne manœuvre pour laisser passer les gars. Ah, il n'a rien fait de spécial, ils l'ont juste rattrapé probablement dû à l'aspiration. Good, alors c'est ce qui conclut notre belle soirée du round numéro 13 en direct de Road Atlanta. Alors merci Kevin d'avoir été là parmi nous. Ben, ça fait plaisir. Puis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo à. Le Mans. Oh, sur la longue traque de Le Mans, où ce qu'on va probablement avoir beaucoup d'action et beaucoup d'aspiration. Alors, c'est à ne pas manquer. Merci et bonne soirée. Au Au revoir, tout revoir. le monde. Tu peux dire bye bye si tu veux. Au revoir, bye bye.